Oh, plus vite. Oh, plus vite. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Non mais là tu l'as. Ils ont bloqué. Oh, on n'est pas fatigué. Oh, on n'est pas fatigué. Oh, on n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. Oh, on n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. La police, butine! La police!
police assassine. La police mutile. La police assassine. Allez, cours, poulet. Allez, cours. Allez,
avancer dans le jeu. C'est là, on est plus côté. On se retrouve peut-être un poil plus nombreux qu'à 13h, en tout cas. Est-ce que vous avez passé le numéro de... Je me souviens plus. Numéro 2 du journal des Gilets. Ah, ben oui, le journal des Gilets. C'est gratuit ou une pièce chaude? C'est du coup, on prend pas tout à l'argent. Et grâce aux mains, grâce aux petites pièces, en fait, on a largement financé la une pièce jaune ou gratuite, c'est où, c'est marqué. Ouais. Alors t'en as pas, mais voilà pour le. C'est gratuit ou pièce jaune. Regardez, j'en ai suivi de vous. Tu en as un peu aussi. Hein merci. Ouais, mais un jour tu verras pas les mêmes lectures. Que... Ça arrivera. Tu vois, t'auras des trucs. Si tu fais du gaming, si tu fais de la photo pro. Ah, c'est un bon appareil ça. Ouais, ouais. Tu y as offert à Noël? Ouais. Ah putain, ans. Si mon père avait été plus riche, il était, on était des petits paysans. Et ah, on n'y peut rien, il ne pouvait pas me l'offrir. Moi je voulais une lunette astronomique. Après je voulais. Ah oui, ça c'est bon. C'est ça. Tu l'as poussé là. Oui. C'est du grec. Là, c'est rare qu'on les a. Hein. C'est du grec, regardez, c'est des lettres grecques. Ouais. Hein, pas, on ne sait pas les lire à chaque fois. C'est un grec. Il y a une nouvelle chanson qui s'appelle Gypsy DB. Je l'ai entendu quand la radio était très à gauche en 82, 3, 81. J'ai oublié le chanteur. C'était le reprise de certaines de gauche. Maintenant, côté capitaliste, à part 2-3 petites radios qui résistent, on a quelques-unes pour lui, c'est toute la faute. Et le truc qui dit là, ouais, ça a été chanté. J'ai bien montré sur mes vieilles cassettes quand j'avais 16-17 ans. Je dis, oh non, c'est terrible ça, oh là là, il bosse. Et après, il a décoré la chanson, c'était Philippe Coutin. Celui qui a fait J'aime. Et après, il a énormément édulcoré la chanson, il a compris. T'as perdu. Comme tu as. C'est des masses. T'as plus de batterie. Ah, je vous avais pas demandé si je pouvais vous interviewer. Non. Ouais, c'est qu'on n'a pas grand chose à dire. Hein, c'est qu'on n'a pas grand chose à dire. Et puis en plus, il y a l'hélicoptère. On va, je vais avancer comme ça pour ne pas, perdre du temps. J'ai juste besoin du prénom, de la façon dont il oui, le prénom, position. J'ai même besoin de notre ami, mais je mets que la première lettre. C'est toujours pour éviter tous les fonctionnaires, par exemple, parce qu'on ne peut pas donner leur nom, il faut constater. J'ai du coup de question.
l'évolution. Est-ce que tu vas lâcher? Non. Comment tu vois l'avenir proche pour nous? L'avenir proche, je vois qu'il y a un peu de mon leader. Il y a aucune décision qui a été prise depuis le début. Ah, il n'y a pas de droit d'auteur sur mon image, beaucoup trop. Je dis que j'ai pu ma jeunesse, que le vent t'a poussé après que j'ai arrêté de fumer. Ah, j'ai pas un choix, j'ai dit. Je suis pas marié, hein. Moi j'étais l'homme de tous, toutes celles qui voulaient. Non, il y a plus. En fait, il faut faire mouiller, retourner vers Là, ils vont pas nous laisser passer. Justement, faut que tu gazes. Ils adorent gazer. Et c'est leur plaisir. Pour la gauche à droite, quoi. Ils sont malins, ils suivent le mouvement, ils gazent quand ils ont envie. Ouais, bah ouais, ouais. Et... Mais là, tout à l'heure, j'étais pas enfin, ah oui, je sais que pourquoi ils ont fait ça. C'était pas même pour que marche avec eux, non? Non, pas du tout. En fait, c'était pour empêcher qu'ils reviennent derrière les gens, tout simplement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai dit à plein de monde, restez pas, on est resté plus de 10 minutes à cette place-là. Ils sont restés 10 minutes, j'ai dit à tout le monde, on retourne à la guerre. Faut retourner à la guerre parce que tous ceux qui ont été coincés, c'est par les CRS de la guerre, ils ont fait le tour comme ça. Ils ont empêché de venir vers ouais. Là, c'était la connerie à pas faire. Donc j'ai dit, faut retourner à la guerre. Et bah, tout le monde n'écoute pas tout le monde. Hein. Bah, c'est voilà, donc chacun fait ce qu'il veut. Moi, je me suis remis en dessous à partir de la guerre. Et oui, c'est Thierry Kruger. Thierry Kruger. Paris-Rue, GER, comme le monstre. Kruger. Ça me fait chier le monstre, mais bon. Non, au contraire, ça me sert finalement. Il y a Diane aussi, non? Diane Kruger. Il y a Diane Kruger, c'est pas la famille. Non, c'est une actrice, ouais. Sinon, il y en a un autre, Thierry Kruger, qui tient un resto en Alsace. Un bon resto. Je vais le voir, il est ami Facebook. Il m'a demandé il y a 10 ans, ça existe. Donc voilà, c'est là que vous trouverez YouTube Thierry Kruger. Alors vous le verrez, les drôles de loustiques. On va voir qu'est-ce qui reste comme image. Les Grolandes, le Sorail, que j'ai trouvé très désaxé, la Franciscus, qui drague à tout le temps. Elle drague toutes les filles qui passent. Un peu mieux. Franciscus. Ben, en fait, il reste un peu dans son personnage. Le Soral, oui, je l'ai fait pour faire chier des amis qui disaient que les fachos, ben oui, mais il ne faut pas avoir peur d'eux. Donc je suis allé voir le facho, il ne va pas manger. Et il dit des conneries. Voilà. Il dit à la fin, il y a un complot, des perruques, où tous les gens qui veulent passer de gauche, en fait, ils perdent leurs cheveux et se mettent des perruques. Alors que comme lui, il perd ses cheveux, ben, il se fait traiter de facho. Attends, je lui ai dit, attends, octobre, novembre, tout, il y a des tas, monsieur prof, il y a des tas de gens qui sont chauds, c'est pas des fachos. Il a un peu
Il est barré. Hein. Donc je suis allé voir le grand méchant loup, c'est-à-dire que le boulot d'un intervieweur, c'est aller voir tout le monde et comprendre à qui on a affaire et comment la personne essaie de vous manipuler. Dans le bon sens ou le mauvais sens, peu importe, mais de se mettre en scène. Là, je le fais, j'ai une caméra, je vais essayer de tirer la tête. Oui, on va pas parler de moi. Parce que moi, je cherchais le naturel, il n'y a pas moyen. C'est pour ça que je fais des bons films. Parce que c'est avec des tripes naturelles. Là, tu verras, les gens sont comme des petits films. Comme des youtubeurs, au bout de 4 minutes en moyenne, j'ai coupé en 3 ou en 2 certaines journées de mon certain. J'ai pas tout le temps là, j'ai mis que l'acte 4, 5, 6. Et là il y a l'acte 7 qui devrait être mis. Ah oui d'accord. Et puis ça viendra au fur et à mesure. Hein. Voilà, comme je vous dis. Mon producteur m'avait dit que 90% des boîtes de prod, on a un numéro copié, on a le code donné par là, c'est-à-dire un copie pirate. Ouais, bah donc, on cherche à prendre 2000 euros. Ça m'allait bien, donc en fait, c'est le code que j'ai passé. Et mon associé m'a passé le code. C'est comme ça que. Non, mais oui, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une majorité de pirates, on ne peut pas se payer, on est des petits réels, des petits reporters. Petit cadeau par le sens du devoir, bien sûr. Tout ce qui m'amène à améliorer les gens, ben voilà, c'est bon. J'ai un devoir. J'ai un devoir, c'est de rendre compte de la réalité. Et bien, plaise ou pas. Des fois, je suis obligé de censurer, quand c'est un mouvement social, parce que les autres font tout ça, ils sont descendants. Donc, j'ai coupé à peu près 1 ou 2%. 1 ou 2%, c'est tout. J'ai mis 98% des personnes en général, parce qu'il y avait des petits bouts. Il y en a un qui a dit, par exemple, je viens pour casser des flics. Alors, j'ai coupé, parce qu'il risque une arrestation, il n'y a pas de flics. Et les filles, elles me disent, je suis marin pêcheur. Ils me disent, je suis pas là pour casser les vitrines, et j'ai coupé là. Les gens, ils verront. Bah, tu vois, c'est ça, ce genre de. Oui, mais on comprend. Non, mais on comprend. On comprend. Non, tu casses pas une vitrine de quoi. C'est le flic qui l'a cassé. Le casseur, mais il n'a pas dû casser beaucoup de flics. Parce que tu n'as pas connaissance à l'angle de l'essai grave. Mais je veux dire, pour comprendre la phrase, c'est le spectateur de saisir la nuit. Tu sais. Je veux dire, c'est un délice, je le mets en ligne. Et le journaliste n'est pas le civil de police. Jamais. C'est pour ça que j'ai été interviewé le Soral. Les gens m'ont dit, tu vas te griller si tu vas voir ce type, ça fait des manipulateurs. Mais comment est-ce qu'il peut me manger? Il est très vrai. Et j'ai dit, j'ai pas été monté. Moi, la copine de mon associé, moi. Et c'est pareil, je suis allé voir le jeune chercheur. Il m'a pas mangé en me disant, ouais, je suis passé par la dépression, j'ai deux filles, j'ai deux petites filles, je me bats pour un autre monde, je sais que c'est la machine. On fait tout ce qu'il faut pas faire. Les pesticides, les tables de retraite, il enlève tous les budgets pour l'accessibilité des handicapés dans les nouvelles constructions. Les acheteurs, ouais. Il attaque tous les immeubles. Oui, les alarmes familiales, les bidons, c'est le monde, le milliard, la protection familiale. Ah, faites gaffe parce qu'il y a l'armée. Oui, moi j'ai mon RSA. J'ai voyé que tout a augmenté, les gros électricité. Je pensais sortir du RSA 4, 5, 6 fois. La dernière fois que j'ai mis tout de suite, j'ai RSA 6. Il pensait que j'allais estimer avec 3 800 euros gagnés d'un seul coup. J'ai mis les DVD de mon troisième film. Ça arrivait d'un seul coup. Mais non, c'est tout ce que je fais de son travail. Tu dis, parce que moi, je dis 6 mois.
C'est moi. Donc ma mère est venue à mon secours, et puis finalement ils ne m'ont coupé que 4 mois. Donc j'ai dit bravo, tout ce que j'avais gagné. Je voulais mettre une réserve pour 4 mois, etc. J'ai dû arrêter de filmer pour avoir une réserve. Maintenant j'ai à peu près 140 euros. Tu vas faire passer au cas de Paris. C'est un peu déconnerie de dire ça parce que j'ai pas envie d'exiler, mais je veux combattre. Et dans les interviews, j'ai vu une résolution que je n'avais jamais vue dans la jeunesse et dans notre jeunesse à nous. Et je dirais même que j'ai jamais rencontré de ma vie en fait des révolutionnaires véritables. Tous les Trotskos, les machins que j'ai rencontrés, les Mao, les anarchos, révolutionnaires. Aucun n'était en fait un vrai révolutionnaire. Pour moi, Flyradar est un révolutionnaire. Pour moi, Roi de Grand Coup est un révolutionnaire. Il renonce à un salaire de 6 000 à 9 000 euros par mois. Mais il est tombé au RSA, mais c'est il n'a pas que le temps au RSA, parce qu'il a sorti un livre, ils vont bien. Donc ils vont le couper. Il va couper le RSA. Il a des amis, il y a des gens qui l'hébergent gratuitement, etc. Mais je pense que là, j'ai vu des révolutionnaires qui avaient 20 ans, qui étaient employés, qui étaient salariés souvent de petites boîtes, le bâtiment, la restauration, pépiniériste, c'est-à-dire autour de l'agriculture. Et il y en a qui m'ont dit, oui, ils sont... Il y en a deux m'ont dit, on a démissionné notre travail. Une troisième a dit, j'ai une grave maladie des vertèbres à 18 ans, parce qu'on était tout le temps debout au McDo. Elle a presque 19. Elle a dit, j'ai un truc de vieux. Et ils ne voulaient pas lui donner l'indemnité. Alors je l'ai rencardé sur un syndicat. Un syndicat correct. Parce que McDo ne voulait pas lui donner un truc. Parce qu'elle a fait un arrêt maladie. Et ils sont derrière à table. Pour eux, c'est une démission. C'est chaud, c'est chaud. Regarde, ouais, moi, ils sont la gueule. Ils sont de deux côtés. Ouais, bah, ils vont faire comme ils ont fait l'autre fois. Ils bloquer au bout là-bas. Attends.
la moto au milieu. Vas-y, il y a peut-être les deux, mais il y a des serres. Des ambités, hein. Bravo. Là. Les jaunes, ils peuvent prendre des larmes. Non, non, non. Comme les jaunes. Non, à part du vent, ouais, à part du vent, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est bon. Ouais. C'était plus super avec la parade. Ça fait la parade. Ouais, c'est pas le La République macronienne correspond à une République bananière. Macron a dit les gens qui ne sont rien. Il n'a pas dit les gens qui n'ont rien ou qui ne font rien. Non, il a dit les gens qui ne sont rien. Alors j'ai fait des pancartes et je suis sortie. Et pour cela, tu m'as mise en garde à vue, sans raison, car je suis pacifique. Donc je hurle à la justice. Tu veux me matraquer. Alors je crierai plus fort que tous tes coups. Tu veux me casser. Alors je déposerai plainte pour assassinat en bande organisée. Tu veux me disperser. Alors je redis, manifester mon droit.
sous ma liberté d'expression, petite con de Macron. Ils sont fatigués. Oh les pauvres. Ils ont trop marché. Ils ont mal aux patates. Ouais.